le bandit. Marquant la mort de maman Marie Moulika Wanganditani, l'épouse de papa Simon Kimbangu, se célèbre, se commémore, mais ne se ressemble pas. En effet, 5 ans après la commémoration du jubilé d'or de maman Marie Moulika Wanganditani, le 27 avril 2009, une femme Kimbangi s'élève une fois de plus pour célébrer le 55e anniversaire de la disparition physique de la vénérée épouse de papa Simon Kimbangu. Eh bien, nous sommes le dimanche 27 avril 2014, ici à Kambala, Nouvelle-Jérusalem. Comme à l'accoutumée, les femmes Kimbangi se regroupant au sein de l'association des femmes Kimbangi se regroupent ici une fois de plus pour honorer cette dame de fer qui a donné le ton et le tonus pour l'émancipation de la femme Kimbangi, de la femme congolaise, ainsi que de la femme tout entière. Mesdames et messieurs, vous allez suivre en direct et en intégralité toutes les activités, tous les temps forts de cette première journée du 27 avril 2014. Nous vous rappelons que l'église Kimbangi, à travers le monde, partout où elle est implantée, commémore aujourd'hui, ce dimanche 27 avril 2014, le 55e anniversaire marquant la disparition physique de maman Milma Kawanga.
pour la circonstance à partir de Kamba. Nous vous convions de suivre cette première journée du 20 avril 2014. Deuxième anniversaire de la mort de la vénérée maman Marie Muluka Wanganditani. Kamba, le 27 avril 2014. Son éminence, Papa Simon Kimbaoukianani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbaongista. Très distinguée, maman Sifa, épouse de fait président de la République, Laurent Désiré Kabila. Excellence, Madame la ministre provinciale du genre famille enfant du Bas-Congo. Révérend, membre du corps ecclésiastique de l'église Kimbaongista, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour nous avoir tous gardés et protégés jusqu'à ce grand jour du 27 avril 2014, jour durant lequel nous célébrons le 55e anniversaire de la mort de la vénérée maman Marie Muluka Wanganditani, épouse de Papa Simon Kimbaou, l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toutes les mamans kimbanguistes réunies au sein de l'association des femmes kimbanguistes et rassemblées derrière Papa Simon Kimbaoukianani pour commémorer ce grand jour anniversaire ont l'insigne honneur de vous saluer et de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici à Kamba, la Nouvelle Jérusalem, terre de notre ancêtre commun. Pour avoir bénéficié de ce privilège de nous retrouver ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'église kimbanguiste, nous adressons nos profonds remerciements au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbaoukianani, qui ne cesse de nous accorder sa grâce sans laquelle la préparation et la réalisation des présentes festivités n'auraient pas été possibles. Nous voudrions aussi nous acquitter d'un agréable devoir de remercier nos illustres et distingués invités, vous tous qui avez bien voulu répondre à l'invitation du chef spirituel et représentant légal et qui viennent ainsi de braver les difficultés de la route qui mène à Kamba qui, depuis 1921, est devenue la Nouvelle Jérusalem selon l'alliance que Papa Simon Kimbaou avait conclue avec Jésus-Christ. En dépit de vos multiples obligations, vous venez de témoigner par ce fait un indéfectible soutien à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbaoukianani, à maman Marie Muluka Wanganditani, qui en a été la gardienne pendant la dure période de la répression et de la clandestinité. Nous saisissons cette occasion pour vous encourager à venir souvent à Kamba, pour vous ressourcer sur cette colline sainte, lieu de paix et épicentre du rayonnement spirituel depuis 1921. Mais qui était maman Marie Muluka Wanganditani pour laquelle nous nous sommes réunis ici en ce jour? Maman Marie Mulinaki, le 7 mai 1880 à Kamba, dans le groupement de Nzundu, territoire de Mbanzangungu, district de Cataracte de la province du Bas-Congo, de l'union de Papa Mfuka et Maman Touba, épouse de Papa Simon Kimbaou. Leur mariage eut lieu le 7 juillet 1915 à Baptiste Mission Society, mission baptiste située à Ngombe-Lutete, Voula, à près de 20 km de Kamba. De leur union naquirent trois enfants qui sont Papa Kisoloke Luke le Chal, 12 février 1914, Papa Dialunga Nakiangani Salomon, 25 mai 1916, Papa Dianguena Kutima Joseph, 22 mars 1918, tous nés ici en Kamba. Maman Mouil vécut à une époque où le rôle de la femme se limitait à des tâches ménagères, à labourer des champs, à ramasser le bois, à puiser de l'eau, à procréer et éduquer leurs enfants. Il n'eut pas le droit de parler devant les hommes. Et tout cela était conforme à la tradition d'alors. Aussitôt après la naissance de leur troisième fils en 1918, Papa Simon Kimbaou eut la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, puis lui confia une mission salvatrice, celle de paître ses brebis. Maman Marie Mouil entendit son mari, Papa Simon Kimbaou, répondre à un interlocuteur invisible. Elle lui posera plus tard la question de savoir avec qui parlait-il. Papa Simon Kimbaou lui répondit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me confie la mission d'évangéliser le peuple et de paître ses brebis.
Le matin du mercredi 6 avril 1921, sur ordre de Papa Simon Kimbangu, maman Marie Mouilou Kawanga Nzitani alla sonner le premier coup de cloche pour la tenue du culte matinal. Maman Marie Mouilou soutint indéfectiblement son mari dans l'accomplissement de son œuvre. Accueillante, mère nourricière, prévenante, courageuse, vertueuse, digne et pleine de noblesse, maman Mouilou a bravé les mauvais traitements du pouvoir colonial belge à son égard et ses enfants, ainsi que des moqueries de la part de ses contemporains. Elle a donné une éducation spéciale, pure et saine, à ses enfants qui sont devenus des modèles dans la société congolaise. Même après l'envahissement de la Cité Sainte par les forces coloniales belges le 6 juin 1921 et les destructions qui s'en étaient suivies, maman Mouilou a pu conserver les ordres et instructions de son divin époux grâce à sa bravoure. Malgré les brimades, elle est restée ferme et inébranlable dans son engagement sur la ligne de conduite tracée par son mari, ce qui lui fait d'elle la femme modèle de tous les temps, première actrice du mouvement de l'émancipation de la femme noire et africaine d'aujourd'hui. Maman Mouilou fut la gardienne de la doctrine kimbanguiste pendant la clandestinité de 1921 jusqu'à sa mort. Elle a premièrement protégé l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, protégé et éduqué ses enfants qui ont pris la relève en 1959. Le 19 avril 1959, elle a remis les cartes aux tout premiers ecclésiastiques sous l'autorité spirituelle de son mari, ce qui amorça la transformation du mouvement Kintwadi en église kimbanguiste. Sous sa direction s'imprima en milieu kimbanguiste le Bolingo 56, l'amour chrétien pur en œuvre établissant une entente et une solidarité parfaite, une identité spirituelle et morale de préparation pour la libération future de notre pays. À l'approche de sa mort, maman Mouilou s'adressa à ses enfants en ces termes. Il est important que je m'en aille pour rester aux côtés de votre père, afin d'être votre intercesseuse pour raccourcir le temps des promesses. Elle fit de même auprès d'autres adeptes kimbanguistes attentifs à ses messages. Maman Mouilou quittera ce monde le 27 avril 1959. Lors des funérailles au cimetière de Ngombe Kinsuka, on l'aperçut ensemble avec Papa Simon Kimbangu, montant dans les cieux entièrement vêtu de blanc et entouré par des anges. En effet, maman Marie Mouilou avait protégé et conservé l'héritage, avait pris soin de ses enfants jusqu'à la fin de sa vie en 1959. Depuis 1921 et à travers sa lutte, la femme a été émancipée et occupe toutes les fonctions qui, naguère, n'étaient dévolues qu'aux hommes. Effectivement, le 24 décembre 1959, après une lutte de plus de 30 ans, le mouvement kimbanguiste fut reconnu par l'autorité coloniale belge, obtenant ainsi l'autorisation de tenir des rassemblements publics. Ainsi, considérant l'évolution rapide de l'église kimbanguiste soutenue par la femme, son éminence Tiangena Kuntima Joseph, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, créa le 8 octobre 1965 l'Association des femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, pour soutenir l'œuvre grandiose de Papa Simon Kimbangu et son rayonnement à travers le monde, mais aussi pour vulgariser les valeurs qu'incarnait Maman Mouilou Marie. Depuis lors, l'Association des femmes kimbanguistes a, dans ses prérogatives et dans l'esprit de son règlement intérieur, la mission de pouvoir l'émergence de la femme kimbanguiste en particulier et de la femme en général par des moyens ci-après. L'évangélisation de la femme et de la jeune fille à travers les séminaires, les conférences, les études bibliques et les retraites spirituelles. L'éducation, la responsabilisation et l'émancipation de la femme et de la jeune fille dans la société. L'assistance sociale aux indigents, vieillards, veuves, orphelins, malades, personnes vivant avec handicap, femmes violées, etc. La motivation de la femme dans le domaine professionnel, artisanal, artistique, culturel, scientifique et technique. La conscientisation de la femme et de la jeune fille à la défense de ses droits et à la dénonciation, des violences faites contre elle. L'éducation et la citoyenneté de la femme. Partant de cette mission, l'AFKI contribue au développement de l'Église partout où elle est implantée. Parmi ses réalisations à travers le monde, nous pouvons compter des champs agricoles, des établissements scolaires, des maisons d'accueil, des maisons de vente de produits,
des actions de soutien à l'Église lors des grandes manifestations, des catastrophes naturelles dans le monde et des déplacés de guerre, des actions éducatives d'encadrement des jeunes filles, des jeunes mères, des veuves et des orphelins. Son éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, très distinguée Maman Sifa, épouse de feu président de la République Laurent Désiré Kabila, Excellence Madame la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants du Bas-Congo, révérend membre du corps ecclésiastique de l'Église kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Nous profitons de l'occasion pour remercier le chef spirituel et représentant légal qui a réalisé des grands événements qui ont rehaussé son honneur de maman Marie Mouilou. À titre indicatif, l'organisation de son jubilé le 27 avril 2009, son exhumation et sa réinhumation au mausolée aux côtés de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre de la même année, sa décoration à titre posthume en 2010 par la chancellerie des ordres nationaux, l'inauguration de son mausolée le 27 avril 2011, dont le ruban symbolique a été coupé par la distinguée Première Dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, la construction du restaurant de l'association des femmes kimbanguistes, Kamba, qui porte son nom, etc. En dépit de nombreuses difficultés matérielles auxquelles se heurte l'association des femmes kimbanguistes, elle ne ménage naguère ses efforts pour réaliser certains projets sociaux et de développement. Nous réitérons nos remerciements à son Excellence Joseph Kabila Kabangé, président de la République et chef de l'État, pour sa considération manifeste au rôle de la femme dans notre société. Nous exprimons notre profonde gratitude à son épouse, la Première Dame de la République, ainsi qu'à toutes les autorités de notre pays, particulièrement les autorités féminines, symboliques du sacrifice de Maman Marie Mouilou Kyawanga, pour la marque de leur témoignage envers l'AFKI et envers l'Église kimbanguiste. Nos remerciements vont droit à Maman Sifa qui, comme Maman Milou, nous a donné et a éduqué, protégé l'homme de la prophétie qui préside à la destinée de ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Qu'elle veuille trouver en ces quelques mots l'expression de notre indéfectible attention. À son éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, nous, vos enfants, maman, papa et jeunes, demandons d'abord pardon pour nos transgressions commises et sollicitons l'appui spirituel tel qu'il a été fait à l'égard de Salomon afin que nous soyons remplis de sagesse, d'intelligence et de la crainte de Dieu. Nous demandons la paix et l'harmonie dans notre pays pour l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie, bref le monde entier, car sans elle, on ne peut rien réaliser. Pour terminer notre discours, nous rendons encore une fois un vibrant hommage à Maman Marie Mouilou Kyawanga Nzitani. Que vive l'Afrique, que vive son Excellence Joseph Kabila Kabangé, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Maman Mouilou, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Tika totonda liloba lilopesa yomoli mosanto na kombi ya tata swahili iza la lingala nyonso tokoyoka yangwana faki akompanye mama sifa upande hapa juu seme na wababa yako mama yako wandugu yako ubaoneshe sauti mama ukepo tribune. Tata bayaya na ngai mbote mingi nazane sengo ya mingi ninasema nitasema kidogo akoloba muke po boyoka oyo ayaki na yango na motema na ye Niamkie
Kwanza nitashukuru na mbala ya liboso, mbala ya mibale, na mbala oyo aye akuti diferanse munene na maye oyo atikaki akuti e developpe mingi e pesi ye esengo mingi na nimefurahi mno apesi remerciement na papa Simon Kimbangu Kiangani na misala oyo ezali kosalema pia na na vile ya Kinshasa ezali kokobama umeendelea na maprovense nyoso ni kupitia kolanda na mabondeli ya ye papa na ya bandimi nde ezali kopesa kimya na kati na mokili na biso kimya soki ezalaki te mbele ye akomi awa te touti bisika ebele bauti mokili ya mundele bamosusu bauti na baprovense lelo tosangani awa mpo na kimya nde tokutani awa esengeli biso nyonso tokweya na makolo ya papa Simon Kimbangu Kiangani aloba na Kimbangu ye moko mpo ete kimya ekobama na kati na mokili na biso pili naona waliosema mbele yango mama yetu tunamuita na kwa kambu yetu bado tuyebi na bolamu tuzali na fete ya mama mwenu eza la lelo eza la lobby eza la mikolo ezali koya tukubosa na mama mwenu ata mokolo moko te kusherekea kila mwaka na katika kulanda na oyo ba diskuru etanga miawa ya mama mwenu Maria kubate la bana kupesa development ezali kolakisa ete mosale etumwami na kombo ya mama mwilu Maria Kiawanga Nzitani nani hiyo na yale kina nzelo ya lingia loba mingi balobi na ye ayoki yango mimi ni mmoja wa wakulima ndio sababu niko jimbo la Katanga iye azali moko na baoyo basala kabilanga nde yango afandi na Katanga nawaza nilikujaga tena nikasema kwamba soki otali ba development ya ba mikili minene eloko ya motuya ezali bilanga nde development kupitia kazi ya kulima mashamba usala bilanga ezali kopesa biso batu makasi pwete to vivre mutu nyonso ya mokili okoki ko vivre te sans kolia mutu moko kaka na mokili ezali nzambe nde azali likolo na nyonso nde moto ayokaka nzala te batata na bamama boyeba yango nde yango baninga na biso bayebaki sekreo ya development ya kosala bilanga baleki biso totikali nsima ye moko azali awa mpona koteya bilei azali na pasi te na oyo misala azali kosala ya bilanga epesi ye mapamboli ebele kopesa bato biloko ya kolia ezali kopesa bato makasi na makasi wana nzambe azali kopesa mapamboli akoki koloba ete toyoki badiskuru ya mama ministre ya province akobi na koloba na tina ya bilanga na yango meme ye atelemi awa susi na ye ezali bilanga mama mwilu Maria Kiawanga Nzitani eloko atikelaki biso ezali bilanga totia molende biso bamama ya afki na susi ya bilanga liloba oyo azali kopesa ezali kote ya batata na bamama na RDC mobimba sababu nimebarikiwa lelo azwi mapamboli atelemi liboso na bino mpo ayebisa bino ezali na tina munene nikifikia mwisho wa usemi wangu mimi namshukuru
Baba azali na somo waumini wote na libota na yendengi aye na ye moko azali kobanga kotanga kombo ya papa Simon Kimbangu Kyangani ezali kilo ezali na lokumu ezali na tina ye moko alingite kasi biso moko nde toyebi moto oyo azali kotanga kombo na ye baba biso nyonso tozala sima na ye na ye azali sima ya papa Simon Kimbangu Kyangani. Kwa yote na tina oyo azali kusalisa biso moko toyebi rais sisa bindimu papa mama sifa alobi akotika papa Simon Kimbangu Kyangani ata mokolo moko te. Mama ministre, mama ministre ya ba Kongo asoroli makambo ya kura. Ninakuomba message oyo azopesa yo komisa yango epa ya gouverneur atabarikiwa sana kilo yebisa papa gouverneur na tina ya kura asala makasi akuzwa mapamboli ata na niveau national ata na ba province nyonso bakosalisa ye poete kura ekota na Yerusalemu ya sika. Mungu ambariki hapa mbola tata na biso po azali kutonga Yerusalemu ya sika kwa maana jimbo na serikali kama jimbo linaanza kobosa na makambo ya nzela te Yerusalemu esengeli ebonga na nzela kende koloba na gouverneur mama ya raisi nde atini maloba na ba province nyonso bakozala sima na ye pwete nzela soki ebongi bato bakokota ebele ndako oyo ekotika la muke pwete lukumu ya Yerusalemu etumbwa malibela. Ndenge tokolobaka ntango nyonso lingomba ya mosantu ya ngoyo ezali na basantu yo na ngai ezali na tata molimo santu nani papa Simon Kimbangu Kyangani tembe makasi ezali kino lelo batu nani bandimite ke tata Simon Kimbangu ezali molimo santu tobonde la makasi nzambe ayebisa bango yo mpena nondimite bonde la makasi nzambe akoyebisa yo ke solo tata Simon Kimbangu azali molimo santu ata mwanda velela tukulombele tela mabeto bana tovana kyambote Bika twa kubika moko yevana kyambote kya kyese mayangi kwa seleto tata mwanda velela munakumba se yemwana yemwanda velela munkumba se mwana mwanda velela.